Va falloir grimper. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai perdu mes clés, je rentre de ma répétition. Ah, classique. Reconnais ça, c'est du AC/DC? Ouais, c'est Thunderstruck, c'est ce qui m'a donné envie de jouer. Sympa, ça fait longtemps que t'en fais? Ouais, ça fait quelques années. Tu me montres un peu? Allez, tiens. Grimper, quel connard. Sors tes affaires et casse-toi! J'en peux plus de tes livres! Tu peux pas vivre ta vie comme si c'était un roman! Un jour, il faudrait que tu fasses la différence entre la fiction et la réalité! Je suis une artiste! Tu comprends ça? Une artiste! Ouais, une artiste incapable de finir un seul chapitre! Tu me rappelleras quand tu auras ton diplôme, l'artiste! Si l'art était une affaire de diplôme, ça se saurait. Je peux vous aider? Oui, merci. Transporter une véritable bibliothèque? Ça fait des mois que j'ai pas lu un livre, moi. Pourquoi ça? Bon, pas vraiment le temps en ce moment. Mais la lecture n'est pas une question de temps, cher ami. C'est une façon de vivre. Et vous avez de la chance, il est jamais trop tard pour la littérature. C'est peut-être sa plus grande force. Je ne demande qu'à vous croire. Tenez, Pascal. Vous connaissez, bien sûr. Non, pas vraiment. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ça vous dit rien? Non, désolé, pas du tout. Mais ne vous excusez jamais de pas savoir. Gardez-le. Non, je peux pas. Bien sûr que si. En plus, ça nous donnera l'occasion d'en parler quand vous me le rendrez. Bon, merci beaucoup. Et vous, vous êtes écrivaine? Une sorte de Pascal des temps modernes? Non, étudiante. Et si j'avais la plume de Pascal, ça fait longtemps que je serais partie de cet immeuble miteux. Vous avez remarqué que l'ascenseur est en panne depuis des semaines? Oui, plutôt. J'ai pris l'habitude des escaliers. Pas vraiment le choix, de toute façon. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé du livre. Tenez, je vous donne mon numéro. Comme ça, vous pourrez m'appeler et me dire. Vanessa. Marc, merci beaucoup. Et à bientôt. Et en tout cas, prenez votre temps, Marc. Je vous raccrocherai au nez si vous m'appelez demain en me disant que vous avez tout lu et tout compris. Allez, ça va bien se passer, allez. Bonjour, monsieur Renaud. Comment allez-vous? On s'en fout de comment il va. Bonjour, monsieur Renaud. Ravi de vous rencontrer. Vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ou quoi? Ravi de faire votre rencontre, monsieur Renaud. Paul, vous préférez peut-être que je vous appelle Paul. Nerveux pour un entretien? Oh, n'en parlez pas. Je sais absolument pas comment y prendre. Quel type d'entretien? Un entretien d'embauche, pour un poste qu'il me faut absolument. Je vois. Vous avez 5 minutes? On nous a filé quelques conseils encore, je peux peut-être vous aider. Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Vous savez, en psycho, on explore l'esprit, on comprend les actes. Je pourrais vous faire pleurer en moins de 5 minutes après en vous montrant une série d'images. Donc faites-moi confiance. En fait, moi c'est Stéphane, enchanté.
Première erreur. Je vous demande pardon. Ne vous asseyez jamais sans y être invité. En plus, si vous restez debout, vous déstabilisez votre interlocuteur dès le début. Allez, on recommence. Merci de me recevoir, monsieur Reynaud. Je vous en prie. Prenez place, bien sûr. Non ! Quoi encore ? Enfin, Marc, il y a un piège, je vais vous tomber dedans. Laissez ce stylo tranquille, ça reflète votre nervosité, il n'y a aucune raison d'être nerveux. Est-ce que je suis nerveux, moi ? Regardez-moi. Tout va bien, Stéphane ? J'ai l'impression de vous déranger, je crois que je vais y aller. Et voilà, Marc, à peine je le temps, vous abandonnez. C'est difficile un entretien, faut le vouloir. Ressaisissez-vous, mon garçon. Imaginez-vous sur un ring de boxe. Vous ne lâchez qu'une fois le combat terminé, pas avant. Je vais y aller. C'est vous qui voyez. Bonne chance, Marc. Pas trop essoufflé ? Show.